Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast où je vais vous parler du moment présent et surtout de la beauté du moment présent. Alors avant de commencer, il est sûrement nécessaire de clarifier que le moment présent n'est pas un moment en réalité qui peut disparaître. Le moment présent, maintenant, est toujours là. C'est-à-dire que lorsque je suis en train de me souvenir de quelque chose, donc qui ferait appel au passé, eh bien, ce passé, j'y pense maintenant. Et lorsque le passé a été vécu, il s'est toujours vécu maintenant. Le futur, que nous n'avons jamais réellement rencontré, existe au sein de maintenant, à travers les projections mentales que je fais vis-à-vis du futur. Ce point étant clarifié, donc d'une certaine manière, on ne peut pas quitter l'instant présent, le moment présent. Il semblerait que lorsque l'imaginaire du mental est présent, eh bien nous regardions les choses à travers un écran mental. C'est-à-dire que cet écran mental, c'est tous les souvenirs, les étiquettes, les appellations que nous avons apprises et sur lesquelles on pose les choses. Lorsque vous sortez de chez vous et que vous voyez le pommier qui est sur votre gauche tous les jours parce que vous allez toujours travailler, vous n'êtes en réalité jamais présent à cet arbre, donc vous ne connaissez pas réellement la substance vitale de cet arbre, vous êtes présent à l'étiquette, au souvenir de le voir tous les jours. Et ça, vous le faites avec l'arbre, avec les objets et aussi avec les êtres humains que vous côtoyez. Vous avez l'impression de les connaître parce que hier, ils semblent être les mêmes personnes et vous les avez définis à travers certaines qualités, certains défauts. Lui, il est honnête, lui, il est malhonnête. Et en réalité, vous n'êtes jamais présent à l'être ici, vous êtes présent à un souvenir, à une mémoire que vous projetez dans l'instant pour des raisons pratiques. Mais du coup, alors c'est quoi la beauté du moment présent? Parce que c'est quand même le sujet, c'est comment accéder à la beauté du moment présent. Eh bien, la beauté du moment présent, elle est totalement indépendante des conditions qui se déroulent dans ce moment présent. La beauté du moment présent peut être vécue sur un champ de bataille, pendant une rupture amoureuse, en regardant une cuillère à soupe, en voyant un papillon, le sourire d'une fleur. C'est vraiment indépendant des conditions, c'est donc forcément léger. Les perceptions sont donc plus vivantes, les couleurs peuvent être plus vives, ce ne sont pas des choses obligatoires, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Il y a bien sûr une paix silencieuse, une joie subtile, il y a une complétude. Il y a une présence totale à ce qui est. Il n'y a pas à ce moment-là l'écran mental qui intervient à juger et étiqueter, je vais y arriver. On a une impression de voir comme pour la première fois. Donc ça peut être source aussi d'émerveillement. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. La beauté du moment présent, il y a vraiment cette notion d'être présent, d'être conscient, d'être en contact d'un ressenti de quelque chose qui ne peut clairement pas être décrit par la tête, mais on sait que c'est là. Il n'y a bien sûr plus la notion de temps, hein, le temps à ce moment-là disparaît totalement. Il y a une totale permission aux choses d'être telles qu'elles sont, sans jugement. Donc vous avez très certainement déjà vécu des moments comme ça, des moments de grande ouverture, des moments de grande permission, des moments de grand lâcher, des moments de grandes acceptations, qui ont pu durer peut-être que quelques secondes pour certains, plusieurs moments pour d'autres, mais le petit problème c'est que c'est plus là. Pourquoi ce n'est plus là? Comment est-ce que je peux revenir à cet état de présence, à la beauté du moment présent? Eh bien, en réalité, cet état ne vous a pas du tout quitté. La seule différence, c'est que dans un cas, le mental était en retrait, on peut dire que l'écran mental n'était pas là, et qu'il est maintenant revenu avec une histoire. Ah oui, mais attends, c'était génial ça, puis je suis en train de voir que j'ai vécu quelque chose de formidable il y a 6 mois en arrière. Oh, je te racontais, j'étais tellement présent, et puis là, c'est plus là. Donc, une histoire, de nouveau, est arrivée. Avec tout un bagage d'expérience, et notamment cette expérience d'accéder au moment présent. Le corps a peut-être vécu un moment de relâchement et où il n'y avait plus de tension,
Et maintenant, pouf, c'est réapparu. Il y a peut-être un nouveau sentiment de vide. Il y a peut-être une tension, une boule dans le ventre, quelque chose qui réapparaît, des histoires aussi, des problématiques aussi. Des problématiques, tiens, il y a ça qui s'est cassé, il y a ça qui fonctionne plus, il y a ça qui... où on sent que ça va pas tenir. Vous avez donc aussi, dans ces moments-là, très souvent, associé la beauté du moment présent à un moment qui est agréable. Un moment, voilà, où je suis bien. Et le problème, c'est que vous avez conditionné, je vous l'avais bien dit, la beauté du moment présent est inconditionnée. Vous avez conditionné ce moment-là à un moment, en général, de bien-être physique et aussi d'un bien-être mental. Alors que ce n'est pas du tout ça. Cette paix, cette joie subtile, cette complétude que vous avez ressentie, elle est là maintenant. Elle est là maintenant. La seule chose qui vous fait croire que vous n'êtes pas complet, c'est soit une histoire dans votre tête, soit un sentiment de vide dans votre corps. Dans le premier cas, ben, ce n'est qu'une histoire. Et dans le deuxième cas, ce n'est qu'une sensation à permettre dans le corps, à observer. Et comme n'importe quelle émotion, sensation, si vous l'observez sans jugement, sans volonté particulière, cette chose vivra le temps qu'elle aura besoin de vivre et partira car tout est impermanent dans cette existence. Et donc, pour faire un petit résumé, j'associe la pleine présence, la beauté du moment présent, à l'agréable. Être conscient, c'est agréable, être inconscient ne l'est pas. Et pourtant, la réalité de maintenant est dépourvue de ce jugement de mieux, de moins bien, de mal, de bien. Mais maintenant est tel qu'il est, peu importe les conditions. Et vous n'êtes pas séparé de maintenant. La présence de maintenant est toujours là quand on se sent bien et joyeux, et lorsque c'est la catastrophe dans nos vies, c'est permanent. Le moment présent ne sera jamais un lieu de fuite pour nier ou éviter de ressentir ce qui est présent, la vie, les douleurs. Bien au contraire, le moment présent est dans l'accueil pur et parfait de ce qui est là maintenant, dans son observation sans jugement. Le moment présent est amour, le moment présent est paix, accueil et acceptation. Et c'est déjà là. La seule chose qui vous fait croire que ce n'est pas là sont des histoires dans votre tête, des croyances sur comment les choses devraient être ou non. Et c'est formidable car une autre histoire pourrait naître et vous faire croire que c'est le mental qui crée un obstacle entre vous et ce moment présent, puisqu'il semblerait que lorsque j'ai goûté la paix du moment présent, eh bien ce mental était silencieux, et que dès que ce mental a commencé à réapparaître dans ma vie, eh bien, c'est lui qui a commencé à foutre le bordel parce que j'ai commencé. Il y a des pensées qui ont commencé à apparaître à l'intérieur de moi et des émotions ont commencé à se déclencher. Et donc, c'est bien évidemment que c'est le mental le problème. Et donc, le mental peut devenir un ennemi ou la pensée. Et tout ceci, c'est de l'imaginaire, c'est encore de l'illusion. Les pensées ne seront jamais le problème en soi, et donc le mental non plus. Tant que vous vous reconnaissez en lui, alors effectivement, cela peut être un problème, car vous utilisez un objet pour vous définir. Et cet objet vient et part, n'est pas stable, change tout le temps, les pensées. Le mental veut combattre, mettre dans des petites boîtes avec des toutes petites étiquettes, car c'est aussi une façon de gérer les choses, les informations, et d'ailleurs c'est merveilleux comme ça. C'est un très bel outil, mais parfois le mental prend une place monstrueuse quand le mental se met à régir tous les aspects de notre vie, y compris nos relations avec d'autres êtres humains, avec la nature, comme je l'expliquais au début, par exemple avec cet arbre, où on n'est même plus présent, parce que on s'en fout de l'arbre, on le connaît par cœur, on passe tous les jours devant. Il devient donc clairement un parasite que si on ne le surveille pas, peut finir par faire strictement n'importe quoi. Cette habitude de croire les pensées dans votre tête et de s'identifier à vos émotions dans le corps est une façon simple et claire de nier le moment présent et d'y résister. Si vous avez l'élan, si cela vous parle, ce que je vais vous dire prochainement, faites-le.
Habituez-vous à ne pas écouter ce mental lorsqu'il est en train de se rappeler du passé ou de se projeter dans le futur, alors que dans ce moment précis, il n'y a pas une réelle nécessité de faire ça. Au sein de votre journée, sortez de la dimension temporelle de l'imaginaire du mental et observez, sentez et écoutez ce qui est là maintenant en vous et autour de vous. Plus vous sortirez de cette dimension temporelle du mental chaque jour, plus vous allez être en contact réel avec la beauté du moment présent. Remarquez aussi toutes les stratégies du mental imaginaire en l'observant. Je ne dis pas que le mental est imaginaire, mais il est imaginaire dans le sens où, mon Dieu, ce qu'il raconte un tas d'histoires, il est dans un imaginaire permanent, le mental. Un imaginaire permanent. Et donc observez toutes les stratégies qu'il a, toutes ses tendances à vouloir fuir le moment présent. Et à ce moment-là, vous saurez qu'il imagine en général le futur comme étant soit meilleur, soit pire que le moment présent. Donc quand il imagine que le futur sera meilleur, ben on appelle ça de l'espoir. Ça crée, bien sûr, ça peut créer une sorte de plaisir, par un mouvement simple de projection dans un futur qui n'existe pas. Et dans le deuxième cas, lorsque le mental imagine que demain sera pire, qu'il imagine les scénarios catastrophes, alors cela crée quoi ? Eh bien de l'anxiété. Chaque fois, il s'agit d'une illusion, il s'agit d'imaginaire. En vous observant vous-même, vous pouvez automatiquement devenir plus présent dans votre vie. Dès l'instant où vous prenez conscience que vous n'êtes plus présent, alors à ce moment précis, vous le devenez. Chaque fois que vous observez le mental, votre mental, vous n'êtes plus dans la conscience, parce que vous êtes conscient qu'une histoire est en train de se raconter. Un autre facteur est entré en jeu, quelque chose qui n'appartient pas au mental, c'est la présence, la conscience, maintenant. Elle est entrée en jeu et n'est plus identifiée à ce qui est en train de se jouer. Elle est là, en train d'observer ce mental qui parle, qui imagine, qui se projette, qui se souvient. Vous allez alors doucement mais sûrement remarquer qu'il y a ça qui ne fait pas partie du mental et qui est présent. C'est la présence, l'observation, l'écoute véritable. Soyez présent en tant qu'observateur de votre mental, c'est-à-dire de vos pensées, de vos émotions, de vos réactions dans diverses situations. Accordez au moins autant d'attention à vos réactions qu'à la situation ou à la personne qui vous fait réagir. Remarquez aussi la fréquence et avec quelle répétition votre attention se fixe sur le passé et le futur par simple habitude. L'idée, bien évidemment, c'est de ne pas juger, de ne pas chercher à analyser ce que vous observez, car le jugement ou l'approbation sont des mécanismes qui empêchent l'écoute et l'observation. Si des jugements arrivent, c'est ok. Vous les remarquez par cette présence qui ne juge pas. En réalité, tout est observable. Donc si tout est observable, ça veut dire que l'observation est en dehors de ce qui est observé. La souffrance est perçue, mais la souffrance n'atteint pas ce qui observe. La souffrance ne touche pas ce qui observe. La souffrance est quelque chose qui est observé. Souvenez-vous d'une chose, peu importe les pensées, peu importe ce que vous ressentez, rien de tout ça n'est un problème. Cela ne sert à rien de créer une problématique de ce que vous voyez ou de ce que vous ressentez. Ces choses-là sont ok, elles sont là, elles sont permises. Et comme le dit très bien notre cher Tolé, Eckhart Tolé, je vais finir par une phrase de lui, vous sentirez alors quelque chose de plus puissant que n'importe lequel de vos sujets d'observation, la présence calme qui observe de derrière le contenu du mental, le témoin silencieux. Merci à tous pour votre écoute. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.
Si vous voulez, on se retrouve aussi tous les jeudis soirs à 21h et tous les lundis soirs à 21h sur ma deuxième chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en dessous. Et ce sont des moments où en fait on pratique de la méditation ensemble. Donc à 21h, on se prend 20 minutes pour, eh bien pour méditer. Et après, il y aura 40 minutes de questions-réponses. Ce sont des directs que j'organise sur YouTube. Donc vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous voulez me poser. Et puis de partager vos expériences, de ce que vous avez compris, pas compris, de ce que vous avez réalisé ou pas. Et donc voilà, vous êtes les bienvenus à tous ceux que ça intéresse. Je vous souhaite à tous une merveilleuse fin de journée, fin de soirée, et on se retrouve très prochainement. Au revoir.